Bonjour, bonne année et bienvenue dans Studio Cobuzz. Au sommaire de l'actualité musicale cette semaine, David Bowie, Arnaud, le concert du Nouvel An, Eric Truffaz, Pierce Faccini et Don Landes, et pour notre séquence rétroviseur, Dolly Parton. Hibernation définitive, voire même maladie incurable, et puis non. Il y a 3 ans, David Bowie a fait un flamboyant comeback avec The Next Day. À peine le temps de digérer ce disque, que Ziggy remet déjà le couvert avec Black Star, son 25e album studio, qu'il publie le jour même de son 69e anniversaire. Une fois de plus, Bowie surprend et surtout épate avec une œuvre des plus audacieuses qu'il a conçue avec des musiciens de jazz new-yorkais et son producteur fétiche Tony Visconti. I'm a black star, way off my money. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors pour son nouvel album, Arnaud embarque à nouveau avec lui John Parrish, le producteur notamment de PJ Harvey, artisan d'un rock'n'roll à l'os, auteur d'un costume qui tombe à la perfection sur les épaules du chanteur d'outre-quiévrin. Pour ce nouvel album intitulé Human Incognito, notre Tom Waits belge alterne tour à tour entre romantisme éclairé et rock'n'roll assumé. She said, never, never trouble, tell trouble, tell trouble, trouble's you. Concert du Nouvel An, c'est comme les chocolats de Noël. Non, cette année on s'abstiendra et puis finalement, on ne résiste pas. En 2016, la Philharmonie de Vienne est dirigée par Maris Janssens. Après 2006 et 2012, c'est donc la 3e fois que le célèbre chef letton colorie le cadre majestueux du Musikverein de Vienne des mélodies de Strauss. Allez, on prendra bien un petit chocolat. Depuis près de 20 ans, Eric Truffaz joue les aventuriers du jazz, un aventurier avide de rencontres et de sons. Pour leur nouvel album intitulé Donny Donny, le trompettiste et son quartet embarquent avec eux la chanteuse Rokia Traoré et le rappeur Oxmo Puccino pour de nouvelles fusions intenses, mais jamais artificielles. Le complément du verbe dire, c'est merci. Le complément du verbe dire. Desert Songs, les chansons du désert. Difficile de viser plus juste pour le titre de ce superbe EP que publient ensemble le Britannique Pierce Faccini et l'Américaine Don Landes. L'association de deux musiciens de goût, de deux voix raffinées qui font de ce superbe 5 titres une parenthèse boisée réellement chantée. En France, on a souvent tendance à réduire Dolly Parton à sa choucroute blonde XXL et ses poumons de rhinocéros, eux aussi XXL. Fatale erreur, car cette grande reine de la country music reste avant tout l'une des plus grandes plumes du genre. Pas seulement une voix, une forte personnalité et une entertaineuse, non, un véritable auteur de plus de 3000 chansons narrant l'Amérique de fond en comble, ses petits tracas comme ses grands mots, surtout l'Amérique des laissés pour compte. Pour fêter les 70 ans de Dolly Parton, rien de mieux que de se replonger dans sa vaste discographie, dont les temps forts ressortent enfin en qualité IRS 24 bits. They didn't understand it and I tried to make them see. One is only poor, only if you choose to be. It is true we had no money, but I was rich as I could be in my coat of many colors. Qu'est-ce qu'on nous tweet de beau cette semaine? Bonjour Rémi. Bonjour Marc. Alors je crois qu'on nous pose beaucoup de questions sur l'abonnement Cobuzz Sublime qui en plus fête ses 1 an cette semaine. Effectivement, il y a 1 an, Cobuzz a inventé une formule inédite dans le paysage du streaming musical, puisque cette formule combine le streaming en qualité CD, le téléchargement en qualité ARS au prix du MP3, et enfin en exclusivité mondiale, le streaming en ARS de toute la musique que vous achetez. Depuis son lancement, de nombreuses marques de Hi-Fi ont adapté leurs produits pour supporter le streaming ARS Sublime. Et on ne s'arrête pas là puisque plusieurs évolutions sont prévues sur l'abonnement Sublime,
afin de satisfaire toujours plus les vrais amateurs de musique. Je vous rappelle que toutes nos interviews ainsi que nos nombreuses archives vidéo sont disponibles sur cobuzz.com dans la rubrique magazine. À dans 15 jours pour un nouveau numéro de Studio Cobuzz et d'ici là, si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'écouter notre playlist de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, de consulter toutes nos offres. N'oubliez surtout pas de liker notre page Facebook.